Bonjour, je suis là pour vous faire aujourd'hui une vidéo première impression. Nous allons parler du fond de teint Double Wear Light de Estée Lauder qui se présente dans un packaging comme ça. Et voilà le produit. C'est une contenance de... combien? De 30 ml je crois. De 30 ml avec un SPF 10. Moi je suis à la teinte numéro 6, si je me trompe. Ah, teinte numéro 5. Voilà, donc le Double Wear, c'est tout simplement le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder avec une forte couvrance, mais celle-ci c'est la formule Light. Donc auparavant, je vais d'abord appliquer ma base d'Estée Lauder qui m'a été donnée en échantillon que je suis en train de tester. Je l'applique pour la deuxième fois. Je vais beaucoup la mettre sur ma zone T qui a tendance à le plus briller et j'en mets sur le reste de mon visage. Et là, ce fond de teint, comme j'aime les couvrances assez légères, je vais l'utiliser avec mon Beauty Blender, l'original. Je viens mettre... Il faudra d'abord remuer, très bien remuer le fond de teint, sinon vous avez une sorte d'huile qui sort juste avant le produit. Je vais en mettre une goutte comme ça. Et je viens l'appliquer sur tout l'ensemble de mon visage. Je viens en mettre sur tout mon visage. C'est une couvrance assez légère. Elle est formulée pour les peaux grasses, les peaux mixtes à grasse. Donc là, je vais l'appliquer pour voir ce que ça va donner pendant toute la journée. Et je reviendrai vous en reparler dans quelques heures. Voilà. Donc des vidéos comme ça peuvent vraiment aider. Là, j'ai terminé mon application de fond de teint. La couvrance me va parfaitement et je trouve que c'est une couleur parfaite pour moi. Elle s'étale très très bien. Elle a une odeur un peu... Elle a une odeur pas du tout... Elle a une odeur neutre, j'ai envie de dire. C'est pas une odeur assez forte. Elle s'étale très très bien. Elle est assez modulable. Si vous en mettez beaucoup plus, j'imagine que vous en aurez encore beaucoup plus de couvrance. Mais sincèrement, si vous avez des cicatrices au niveau du visage, des trucs d'acné assez prononcés, je ne crois pas qu'il soit fait pour vous. Hein. Celui-là, c'est le Double Wear Light, donc il ne faut pas trop lui en demander côté couvrance. Voilà. Donc là, j'ai fini mon application. Non, ça a un effet un peu poudre, mais un tout petit peu collant. Je vous conseille de le poudrer par-dessus. Il colle juste un tout petit peu. Ça a vraiment une sensation de peau nue. Ça ne tiraille pas au niveau du visage. Et je trouve que ça lisse bien le grain de peau. Ça donne un super bon grain de peau. Super beau grain de peau, parlant. Et la matière se fond très très bien. Ça fait pas l'effet... C'est vraiment un effet peau nue. Ouais. Quand je fais des grimaces comme ça, et ben ça ne tiraille pas du tout. Donc la matière est assez légère, elle pénètre très très bien. Je trouve qu'elle donne de l'éclat. Je trouve qu'elle donne de l'éclat au teint. Ouais. Là moi je sens le changement. Je ne sais pas vous ce que vous voyez avec ce que vous voyez à travers la caméra. Voilà. Donc moi je vais la poudrer, je vais terminer mon maquillage et je viendrai vous montrer le tout à la fin. Voilà, je suis revenue. J'ai appliqué mon. J'ai appliqué mon fond de teint, j'ai fait mon maquillage, j'ai mis la poudre, la MSF Dark de chez MAC. Mon rouge à lèvres, c'est le rouge volupté numéro 17 de chez Yves Saint Laurent qui se présente comme ça, qui est un super beau rouge, très confortable sur les lèvres. Il glisse bien, il n'achète pas les lèvres, je trouve que ça allait bien avec ce maquillage et surtout avec ce que j'ai porté. Et ça va aussi avec mon vernis. Voilà, donc je vais revenir au bout de 4 heures, 5 heures. Ouais, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, je reviendrai et vous présenter le fond de teint et vous dire ce que ça fait. Voilà, j'ai fait un maquillage assez simple et un peu sophistiqué. Et sachant qu'en ce moment, je le porte en journée. Il fait très très moche, donc voilà, c'est pour apporter un peu de lumière, un peu de peps, quoi.
Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour vous donner mes premières impressions pour les sur les premières heures avec ce fond de teint, le WR Light de chez Estée Lauder en teinte 5 qui se présente comme ça. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Ciao. Hello. Eh bien, me revoilà. J'ai appliqué mon fond de teint. Il était 12h30. Et là, il est 20h-4. Donc, c'est-à-dire, ça fait, je veux dire, c'est 8 heures avec ce maquillage, ce fond de teint. J'ai pas fait une seule retouche. J'en ai fait aucun. Pas de retouche au niveau de mon visage. J'ai pas essuyé, j'ai pas fait de retouche, j'ai pas humidifié, j'ai pas aspergé, j'ai touché à rien du tout à part mes lèvres. J'ai remis du rouge à lèvres parce que je bouffe ce rouge à lèvres là. Qui est le rouge volupté de chez Yves Saint Laurent en teinte 17, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai fini ma journée, j'ai eu une journée assez speed, assez mouvementée. Et là, finalement, à la fin, je suis allée faire mon brushing chez mon coiffeur. Donc, c'est-à-dire, même avec le séchoir, c'est... voilà. Même avec le séchoir, là, je peux dire que sincèrement, j'ai jamais eu un fond de teint qui tenait de cette façon. Ouais, pour être clair, c'est le Double Wear Light de chez Estée Lauder. Sincèrement, je dis chapeau. Déjà, c'est exactement ma teinte. C'est exactement ma teinte. Et tout. Au début, je croyais qu'elle allait être assez foncée. C'est exactement ma teinte. Je trouve qu'elle ne s'oxyde pas. Surtout ça, tous les fonds de teint que j'ai, à part celui-là que j'ai aujourd'hui, sachant que c'est la deuxième fois que je le mets. La première application, je l'avais, c'était en boutique. C'est la vendeuse elle-même qui me l'a fait tester en boutique. Et après, je l'ai gardé toute la journée. J'ai trouvé qu'elle allait super bien. Donc, je l'ai acheté. Voilà le paquet que j'ai acheté, que j'ai appliqué aujourd'hui et que je vous ai montré. Voilà. Donc, je la trouve sincèrement super bien. Je ne regrette pas du tout cet achat. Après, il faudra voir en longue durée. Je ne crois pas que ça va m'amener des boutons ou voilà. Je pourrais garder, je pourrais mettre cette teinte. Sachant que mes autres fonds de teint que j'ai, que ça soit le Yves Saint Laurent, la touche lumière ou touche éclat, je ne me rappelle plus, ou c'est que je possède que deux fonds de teint actuellement, ou le Color Stay de Revlon que je mélange à la touche éclat parce que la touche éclat elle est un tout petit peu claire. Celle-ci, de toute façon, au bout de 5-6 heures, ça commence déjà à donner un teint un peu grisâtre. Ça commence à faire très très moche. Je ne peux même pas faire de retouche là-dessus. Je l'enlève direct. Et là, ça, j'ai pas besoin de faire de retouche. Pendant 8 heures, j'ai gardé mon fond de teint. Sachant que je ne suis pas du genre à garder un fond de teint pendant 16 heures, pendant 16 heures, 13 heures, comme ils disent sur les packaging. C'est pas du tout dans ma façon de faire. Et là, sincèrement, je dis chapeau. Je suis très contente. Bon, là, j'ai les deux lumières en face de moi. Donc voilà pourquoi vous avez l'impression que ça a beaucoup graissé. Ça a graissé, mais au niveau de la zone T. Au niveau de la zone T, c'est vraiment... voilà. Vous voyez mon doigt, il brille. Si vous voulez, je vais recommencer. Je vais essuyer mon doigt avec une serviette humide. Je suis mon doigt, j'attends qu'elle sèche un peu. Je vous refais le même test. Mon doigt, il est là tout mat. Je fais ça. Vous voyez, il brille. Il brille. Voilà. Ça a commencé à vraiment briller. Quand j'ai terminé mon... quand je faisais mon brushing, il était tout à fait mat. Après que j'ai terminé mon brushing, ça, quand j'ai arrêté, j'ai vu que ça luisait un peu. Pourtant, il était frais, très froid dehors. Je suis sortie, j'ai touché que c'était gras. Donc là, pour vous dire que ce fond de teint, voilà, il est toujours là présent. J'ai pas rajouté de poudre, j'ai rien fait de spécial. J'ai fait que les lèvres, que j'ai retouché plusieurs fois. Mais au niveau du visage, encore, je répète, j'ai rien fait du tout. Il n'y a rien d'exceptionnel, j'ai rien fait. Et je suis très contente pour ce fond de teint. Donc c'est bientôt Noël. Si vous cherchez un fond de teint, vous avez la peau grasse, vous cherchez un fond de teint qui dure et qui ne s'oxyde pas, qui ne va pas griser après, avec ou sans avoir fait de retouche, je vous conseille
La Estée Lauder. Maintenant, si vous voulez que je vous en reparle dans quelques temps, ça c'est sûr que je vais les porter ces derniers jours parce que j'ai tout simplement j'aurai une semaine très chargée, des soirées, des événements, des trucs comme ça. Donc je vais beaucoup le mettre. Je mettrai que ça d'ailleurs. Et si vous voulez, je peux vous en reparler encore, faire une vidéo beaucoup plus détaillée. Mais là, je crois pas que je peux être beaucoup plus explicite que ce que je viens de dire aujourd'hui. Voilà. Donc je vous souhaite un super bon week-end, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.